tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il est aujourd'hui lundi 15 juillet. Il fait beau, c'est un vrai miracle. Alors un autre miracle, c'est l'attentat contre Donald, hein, vous avez vu. Hein. Enfin, merci à toutes les personnes qui m'ont informé, mais vous savez, je suis sur Telegram, sur X, donc je reçois aussi des notifications. Donc c'est vrai que j'ai eu plein de messages, en tout cas merci. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'avais fait une vidéo un jour avant sur Donald, et j'avais sorti quand même la carte du feu. Hein. J'avais dit que les ennemis, on va dire, le DS, pour le Deep State, allaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher justement la réélection de Donald. Puisque, comme c'était sorti dans les cartes, il est complètement parti pour gagner. Et les autres, avec leur pauvre Joe, là, qui n'en peut plus, eh ben, ils le savent très bien. Enfin, je veux dire, il faudrait être complètement débile pour pas s'en apercevoir, hein. Que l'on aime Donald ou pas, d'ailleurs. Bon, moi, je vous ai dit que j'étais pas vraiment pro ou contre Donald. Ceci dit, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avec lui, il y a la paix. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, il est plutôt pro-paix. Et ça, c'est évidemment une bonne chose. Hein. Donc, c'est vrai que si je devais choisir entre lui et Joe, hein, ou un autre candidat démocrate, ce serait plutôt pour Donald. Bon, après, j'en sais pas plus sur le personnage. Alors, tiens, j'ai la carte de la résistance qui s'est retournée, là. Ok. Alors, je suppose que vous voulez savoir ce qui se cache un peu derrière cette attention sur le tas. Enfin, attention à ce qu'on dit, hein. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Vous avez vu, il y avait Jean-Dominique Michel qui voulait faire un documentaire sur les trucs dans le ciel. Eh ben, voilà. Youyou n'a pas autorisé le sujet. Alors, les trucs dans le ciel, c'est, vous savez, ce qui nous tombe dessus, là. Qui ressemble à des traînées dans le ciel. Bon, ben, voilà. Donc, c'est pour ça que, de temps en temps, je suis obligée de louvoyer, parce qu'il y a des sujets, comme les pédalos, hein, c'est pareil. Je pourrais jamais vous faire un sujet sur ces gens-là texto. Il faudra que je trouve d'autres dénominations. Allez, on va regarder tout de suite. Donc, bon, alors, il y avait un tireur isolé. Il y a des gens qui ont averti qu'ils l'avaient vu sur le toit. Personne n'a réagi. Il y a des choses bizarres, quand même, on ne peut pas dire. Donc, on va demander, déjà, est-ce que le danger était réel, hein, parce qu'il y en a qui parlent d'une mise en scène pour augmenter encore la popularité de Donald, mais franchement, sa popularité est déjà très haute, alors bon, je vois pas trop ce que ça apporterait. Mais bon, ok, on va demander. Est-ce que tout ceci était bien le fait... Alors, le fait d'un tireur isolé, ou peut-être du DS, hein, alors DS, encore une fois, c'est Deep State, d'accord? Ou l'état profond que moi, je ressors avec la carte de l'hydre. Toujours. Parce que l'hydre, vous coupez une tête et il y en a deux qui repoussent. Hein, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué qu'une pieuvre. La pieuvre, pour la mafia, moi, je trouve que c'est pas très imagé. Donc, pour moi, c'est une hydre. Ok. Ceci étant posé, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui s'est passé avec Donald? Allez, je fais mon petit jeu comme d'hab. Alors, une maison. Alors, évidemment, il était sur le toit d'une maison. On peut voir ça comme ça. Hein. Enfin, une maison, enfin, un immeuble. Hein. Bon, les chupoteurs qui vont se réveiller encore. Donc, je précise, il était sur le toit, le tireur, et il attendait un feu vert. Alors, c'est un jeune homme, hein. Effectivement. J'ai vu que c'était un jeune homme. Ça m'a étonné d'ailleurs. Hein. Un jeune homme, peut-être un peu perdu, d'ailleurs. Voilà, moi, c'est ce que j'ai. Regardez les cartes, hein. je dis ce qui me vient en tête, et évidemment, c'est comme ça qu'on fait. Attendez, je suis en train de regarder qu'en dessous, non, il y a autre chose, non, c'est bon, il n'y a que les rivalités. Ah, les rivalités, c'est évidemment les élections. Ok, bon, on a bien le jeune homme sur le toit, d'accord? Ok, alors, ce jeune homme, est-ce qu'il agissait de son plein gré, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est un peu, voilà, un peu exalté, enfin, vous voyez, le déséquilibré, quoi. Alors, ce jeune homme, où est-ce qu'il a été commandité et puis bouc émissaire, hein, Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet attent sur le tas? On va parler comme ça par rapport à ce jeune homme. Alors, je n'ai pas son nom, ah, c'est bête. Attendez, je vais aller chercher son nom quand même. Je vous demande deux secondes. Enfin, pour vous, ça ne change rien parce que je mets sur pause, hein, de toute façon.
Voilà, alors j'ai été chercher entre-temps la photo de. Oui, c'est vraiment un jeune homme, hein. Thomas, Matthew. Il manque encore un. Attendez, comment est-ce qu'il s'appelle? Thomas, Matthew. Il manque encore un nom. Crooks. D'accord. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, j'ai rien touché, hein. Bon. Thomas Matthew Crooks. On va encore en sortir une. Alors, on va demander s'il a fait ça comme ça, tout seul. Ah, moi, j'ai la carte des trafics que vous connaissez. Alors là, c'est une progression. Des gens qui se disputent. Une goutte d'eau. Ok. On va remettre une carte sur les trafics. Mais ce qui est curieux, c'est que, vous voyez, il y a quand même quelqu'un qui donne de l'argent. Alors, c'est comme si en fait des gens inconnus hein, lui avaient donné à ce jeune homme quelque chose dans le carton. Alors, je sais pas, arme explosive, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé un. Alors, je ne sais même pas comment. Alors, je suis vachement au courant, mais vraiment, il a utilisé un pistolet, un revolver. Non, c'était une arme de sniper, hein? Ça doit être ça. Bon, enfin, bref. Excusez-moi, je ne me suis pas beaucoup renseignée, j'ai que le nom du jeune homme. Bon, apparemment, il a dû acheter, on lui a livré des choses illégales par Internet. Alors moi, j'imagine, c'est des choses, des armes, des choses comme ça. Bon, des munitions, peut-être, un truc comme ça. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur le reste? Ne comptez que sur soi. Ah, ça voudrait dire quand même que c'est quelqu'un qui agit tout seul. Là, il y a quelqu'un qui pète les plombs. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, on essaie d'arbitrer entre deux camps. Alors, est-ce que il voulait jouer le rôle, alors non pas d'arbitre, mais plutôt le rôle d'intervenant dans un match, c'est-à-dire en fait évidemment Joe contre Donald. Est-ce qu'il voulait agir en tant, vous voyez, qu'intervenant avec une autorité? Ah, attendez. C'est bizarre. Ah, il y a quelqu'un qu'on enterre. Écoutez, apparemment, avec des cartes comme ça, il aurait acheté, alors, armes, explosifs, munitions, je ne sais pas, des choses illégales ici, alors, sur le Dark Web ou autre, hein, et ne comptait que sur soi. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait ça tout seul dans son coin, quand même, hein. Il y a une progression. On va regarder une progression vers quoi? Ah bah tiens, regardez, j'ai l'arme de la violence. Une progression vers la violence. Ah, c'est fou. J'ai qu'une carte de violence dans mon jeu. Une progression vers la violence. Ouais. Et là, il y a la nécessité. Enfin, la nécessité. Non, pardon, c'est pas le bon mot, excusez-moi. Il y a la volonté plutôt. La volonté d'enterrer quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'il était déséquilibré, ce jeune homme. Apparemment. On va reposer la question, est-ce qu'il a vraiment agi tout seul? Déçu. Il y a une déception. Il est déçu de quelque chose. Alors, est-ce qu'il est déçu par Joe, par exemple? Ou déçu par les Américains qui, comme je vous l'ai déjà dit, sont quand même massivement pour Donald. Enfin, c'est pas que moi qui l'ai dit. Enfin, je veux dire, c'est. Il suffit de regarder quand même. Ouais, vous savez, j'ai l'impression qu'en fait, il agit tout seul. Hein. On va redemander. Parce qu'il était déçu et qu'il voulait enterrer Donald. Alors là, il y a des criminels qui ne seront pas inquiétés. Inquiets. Alors, est-ce que finalement. On l'aurait utilisé, hein, parce que apparemment, moi d'après ce que je vois, c'est un jeune homme qui a, voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un déséquilibre, hein, très certainement au niveau du mental de ce jeune homme. On lui a fourni, j'insiste, il y a quelqu'un d'extérieur et là il lui donne l'argent. On lui a fourni des choses illégales, des armes, des explosions, des, je sais pas, des explosifs, des munitions, il y a quelque chose là. Je sais d'ailleurs pas du tout si pour les armes qu'il a utilisées, si c'est légal, j'en sais rien. Aucune idée. En tout cas,
Il y a quelque chose qu'il s'est procuré illégalement et là, ne comptez que sur lui. Il était tout seul. C'est lui tout seul qui a tiré. Apparemment, il voulait quelque part arrêter le conflit. Alors, entre les deux, hein, entre Joe et. Fallait arrêter les élections, quoi. Enterrer quelqu'un. Et il y a une déception. Monter vers la violence, déception. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas arrêté. Alors, on va reposer la question. Est-ce qu'il a servi de bouc émissaire? Est-ce que des gens, par exemple, sont entrés en contact avec lui parce que ces gens-là, de l'hydre, par exemple, ou du DS, savaient que ce jeune homme aurait fait un bon bouc émissaire, exactement comme l'assassinat plutôt de JFK. Vous savez, le jeune là, comment il s'appelait déjà? Oh là là, c'est horrible. En voyance, mais moi j'oublie les noms, mais vous allez me prendre pour une débile. Non, mais j'ai pas Alzheimer, mais j'oublie quoi. Flûte. Attendez, j'ai retrouvé son nom. Voilà, Lee Harvey Oswald. Ah, mais c'est terrible, hein, quand on voit qu'il y a Internet. Bon, hein, parce que Lee Harvey Oswald, c'est pareil, hein, il a agi tout seul et il n'a pas loupé son coup. Par contre, il a été assassiné 2 jours après qu'il ait été arrêté. C'est curieux quand même. Donc, on n'a pas eu le temps de l'interroger. Hein. Bon. Donc, est-ce que finalement, ce jeune homme-là, j'ai oublié son nom aussi, Thomas, hein, c'est ça? Attendez. Bon, enfin bref. Le jeune homme que j'avais tout à l'heure, qui s'appelle Thomas, hein, oui, c'est ça. Que Thomas Matthew a été approché par des gens qui voulaient se servir de lui comme bouc émissaire. Hein? Ça pourrait être ça. Ah, il y a des gens qui ont les mains pleines. Oui. Donc on offre quelque chose. Des criminels qui offrent quelque chose. Des criminels qui ne seront pas inquiétés. Hein? Qui offrent quelque chose. Donc on va demander en d'autres termes, est-ce que tout ceci a été commandité par le Deep State? On va voir. J'ai quand même le crocodile, moi. Une autre carte. Ouais, ça c'est l'attente sur le tas. Bon, il y a quand même des choses intéressantes. Parce qu'apparemment, alors à mon avis, on n'aura évidemment pas la vérité. Mais moi, je pense que ce jeune homme qui était connu d'une façon ou d'une autre, qui s'est fait connaître comme étant déséquilibré et anti-Donald, eh bien, a été abordé certainement par des criminels qui ne seront pas inquiétés, qui ont la justice pour eux, qui ont dû lui offrir quelque chose, les mains pleines, on offre quelque chose. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est le Deep State. Hein. Alors, des gens. Alors, mes bandeaux sur les yeux. On va regarder pourquoi j'ai ça. Et la destruction totale. Bon, il y a des complicités là-dedans. Hein. Ouais. Parce que là, vous voyez, on ne veut pas voir quelque chose qui annonce une destruction, un danger de destruction. Donc moi, je pense que, et ça n'engage que moi, hein, que ce jeune homme a été utilisé par certainement le DS, et que c'est pour ça qu'il y a des gens, parce que ça, j'ai vu ça, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient vu le jeune homme sur le toit avec un fusil, et il n'y a personne qui a réagi. Donc c'est qu'il y a bien des complicités. Et c'est ce que je vois ici. Les gens qui ne veulent pas voir qu'il y a un danger. Donc ça bien. Si ça avait été le jeune homme qui avait fait ça tout seul, eh bien, dans ces cas-là, il n'y aurait pas eu de complicité. Comprenez? Dans ces cas-là, le service de sécurité aurait tout de suite réagi. Donc moi, j'ai l'impression quand même qu'autour de Donald, il y a des gens qui gravitent et qui n'ont pas voulu dénoncer ce danger. Hein. J'espère que je suis claire. Hein. J'espère parce qu'en voyance, j'ai tendance à oublier des mots. Hein. Alors là, on a le 36e dessous. Les pédalos. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qui sort là? Bah, j'étais en train de parler du DS, du Deep State. Donc oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que j'ai de nouveau cette carte-là. Hein. On sait que ce sont des gens qui sont dans ces trafics-là. Hein. Ouais. Alors, j'ai une surveillance. C'est marrant que cette carte-là ressorte. Hein. Et il y a un piège. Hop.
C'est marrant, j'ai une carte qui est en dessous. Piège numérique. Bon. Après, il me sort autre chose. Pourquoi est-ce qu'il me sort ça? Ouais, d'accord. Très intéressant, ça. Ça, je pense que c'est Joe qui sort en pédalo, qui est dans le 36e dessous, vous voyez. Et on veut faciliter l'accès au pouvoir de Joe. Hein, enfin, en tout cas, faire en sorte qu'il gagne les élections. Et il sort vraiment comme ça. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une action, on va dire, désespérée du DS pour se servir de ce jeune-là. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je pense. Et il y a dû y avoir quelque chose du numérique, là. Je ne sais pas. Il va y avoir des questions numériques, mais il y a un piège. Donc, peut-être qu'il va y avoir des fausses informations numériques. Bon. Donc, petite vidéo. Assez bon, assez facile, enfin assez simple quoi. Hein. Donc moi je pense que c'est comme Lee Harvey Oswald. D'ailleurs, le jeune homme a été tout de suite tué. Hein. Enfin, vous me direz, bon, ça paraît normal, mais enfin, Lee Harvey Oswald, ils l'ont arrêté quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Alors que là, le jeune homme, il a été tué quand même. Hein. Donc c'est étonnant. Alors, on peut demander si. Si le DS va revenir à l'attaque, hein. Moi ce que je pense, c'est pareil que Lee Harvey Oswald, c'est un bouc émissaire, le jeune. Il a été utilisé. Bon. Ok. Alors, est-ce que le DS va revenir à la charge? Puisque je voyais quand même une période très 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 problématique. C'est à partir de la rentrée. Mais bon, déjà là, sur le mois de juillet, juillet-août, j'ai déjà encore des aspects astrologiques explosifs. Hein. Donc moi, les gens qui vont assister au JO, je trouve qu'ils prennent vraiment des risques. Vraiment des risques. C'est pas le moment d'aller assister à ces JO de la honte, d'ailleurs. Hein. Genre, j'ai vu qu'ils mettaient les gens sous cage, non mais, ou derrière des grilles. Non mais c'est de la folie. Enfin, bref. Ah oui, vous m'avez demandé aussi de regarder pourquoi il y a des. Oh là là, ça m'énerve de pas trouver mes mots. C'est vraiment problématique. Alors que normalement, je sais bien m'exprimer et là, j'y arrive plus. De regarder pourquoi il y avait des militaires. Ah, j'y ai arrivé. Ouais. Bon, on va déjà finir le tirage. Voir si le DS va revenir à la charge. Puis après, je regarde l'histoire des militaires, ok? Sur Paris. Alors là, il y en a un qui est maléfique. J'ai toujours la carte du printemps, moi. Bon, ok. Ouais. Quelqu'un de maléfique. Mais non, mais faut pas que je me déconcentre. Alors, est-ce que le DS va revenir à la charge? Vous savez quoi? On va prendre un petit peu ce jeu-là. J'en ai d'autres aussi, mais je trouve qu'ils sortent moins bien. Sauf celui de Kate ou celui d'Indigo. C'est vraiment les deux jeux que j'adore, que je préfère. Hein, qui sont vraiment très très bien. On va demander. Est-ce que le DS va revenir à la charge concernant Donald? Hein? Voilà. Alors, il y a une femme qui est prête à en découdre. Alors, je sais pas, j'ai l'as d'épée, c'est la guerre. Ou alors, c'est qu'ils vont mettre une autre femme pour le remplacer. Hein. J'ai une femme qui est prête à. Alors, je vous dis, il y a une l'as d'épée là, qui est prête à vraiment à rentrer dans la bataille. Bon. Ok. Alors, le pendu, empêchement, la surprise, une impasse. Bon, ils sont enquiquinés, le DS. Hein. Ils sont enquiquinés quand même. Regardez là, vous voyez, ils n'ont pas réussi. Donc, ils sont obligés de faire quelque part, de revoir leur plan. Hein. Oui, effectivement, surprise. Ben oui, c'était inattendu que Donald en rééchappe. Hein. Pour moi, ce n'est pas un false flag comme il y en a certains qui disent. Non, je n'ai pas l'impression. Hein. Non, vraiment pas. Je pense que vraiment, c'est à remettre un peu en perspective avec ce qui est arrivé avec JFK à Dallas en 63 et que Lee Harvey Oswald a été utilisé. D'ailleurs, c'est intéressant. Alors, vous savez, je suis fan de Stephen King. Hein, enfin, vous savez pas. Je vous conseille vraiment le livre qui s'appelle 22 novembre 1963. Je crois que c'est ça, 22 novembre ou 20 novembre. Ah, j'ai oublié. Je crois que c'est le 22. La date de l'attentat de JFK. C'est le titre du livre de Stephen King. Et c'est un peu une histoire genre, et si
Et si, eh bien, la JFK n'avait pas été assassinée. Donc, c'est vraiment un super livre. Moi, j'ai bien aimé. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais j'ai bien aimé la façon dont il a traité la question. Bref. Bon, tout ça pour vous dire que pour moi, c'est pareil que les Harvey Oswald, OK? Et que là, l'événement inattendu, bah, c'est que ça n'a pas marché, l'attentat. Bon, donc là, ils sont coincés, ils sont dans une impasse, mais ils vont remettre autre chose en route. Le chevalet de bâton, il se remet en marche, ils se remettent en marche, là. OK? Alors, les DS. Bon, ça peut être les élections, pourquoi pas. La satisfaction, oui. Bon, après, j'ai autre chose. Là, on essaie de quoi faire. Ah, ben voilà, je me disais bien aussi qu'il devait sortir quand même. Oui, alors là, apparemment, vous voyez, ils disent que là, en l'état actuel des choses, ce que je vous disais aussi, c'est que là, il est parti pour gagner, Donald. C'est évident, hein. Voilà, on lève la coupe. Oui. Mais attention, le diable veille. Le diable veille. Alors, que va faire le diable? Le diable veille, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ils sont en train de réfléchir à des potentialités, je pense. Il y a un homme là, je sais pas qui c'est. Alors, ne me dites pas de nom parce que vous me parlez de Babama, là, comme on dit. Mais c'est peut-être pas lui, hein. Vous savez, à mon avis, il y a des gens qu'on ne connaît pas vraiment, qui sont dans l'ombre. En tout cas, il y a des potentialités. Ils sont en train de chercher peut-être à mettre vraiment quelqu'un d'autre en place, là, pour l'instant. Une femme. Oui. Et contre Donald. Ah, bon, ça peut être Donald, le roi de deniers, justement, l'homme riche. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'incertitude. Bon, la lune, c'est flottant. Ils sont en train de se demander, est-ce qu'ils jouent la carte de la candidate miracle qui pourrait l'emporter? Ou est-ce qu'ils vont refaire, repasser à l'action? C'est un peu ça que j'ai, moi. Bon, donc on refera un tirage, d'accord? J'ai l'impression que si ils sont pas trop d'accord entre eux, s'ils n'ont pas décidé, moi je ne vais pas pouvoir vous dire ce qu'ils vont faire. Hein? Parce que ce n'est pas décidé dans leur tête. Bon. Ok. Alors, je vais re-regarder maintenant ce que vous m'avez dit sur les fameux militaires du Qatar, là. Attendez. Parce que j'étais quand même assez étonnée de tomber là-dessus, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit debout là-dessus? Attendez, je regarde sur ma tablette. 2 secondes, hein, je vais regarder ce qu'ils nous disent. Ok, alors je suis tombée sur le Figaro. 1750 membres des forces de sécurité intérieure venus d'une quarantaine de pays vont participer cet été à la sécurité des JO. Parmi eux, les policiers qataris circulant en blindés légers ne sont pas passés inaperçus. Bon, alors apparemment, ils nous disent que c'est à cause des JO. Mais enfin, oui, mais les JO, c'est pas maintenant, là, c'est dans 2 semaines encore. Hein? Alors pourquoi maintenant? Alors, ils disent que ça va être déployé dans les gares, les aéroports, autour des sites olympiques. Ah, disons, l'autre, il a dû écouter, il a dû écouter toutes les émissions de voyance parce qu'on était tous en train et toutes en train de dire qu'il y aurait enfin, des trucs explosifs, quoi. C'est marrant quand même. Hein. Et là, boum, moi, je suis sûre qu'il nous écoute. Ben, on peut lui faire coucou alors. Hein. Caligula, si tu nous écoutes, coucou. Bon. En tout cas, là, vraiment, ils ont vraiment déplacé, déplacé, n'importe quoi. Ils ont vraiment déployé, par contre, une force. Waouh. Pourquoi ils font pas ça dans les banlieues, hein? Hein? Pour assurer un peu de sécurité, aux femmes qui sont harcelées, aux gens qui sont agressés. Non, évidemment, non. Bon. Ok, allez, on va demander. Pourquoi est-ce que les militaires du Qatar sont là? D'accord? Voilà, je vous montre mon petit jeu. Alors, attendez, je reprends le truc là. Alors, du coup, j'ai pas de truc de militaire. J'aimerais bien avoir une image. Attendez, bougez pas. Bon, voilà, parce que j'ai besoin d'avoir un peu une image hein, comme support. Ok. Bien, alors, est-ce que c'est vraiment pour le JO? On va voir ce qui sort. Hein. Bon, j'ai les médias. Les médias, les mains pleines. Bon, ok, bon, pour l'instant, rien. Éventuellement, on peut nous dire que c'est très médiatisé. Oui, bon, d'accord. Alors,
Pourquoi y a-t-il des militaires, des véhicules blindés? Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Des véhicules blindés du Qatar. Donc sur Paris, avec dit. Alors, j'ai bien compris, l'Élysée, c'est un bunker. Et donc là, on a les militaires du Qatar, dans les pauvres Parisiens. Mais moi, je me souviens, quand j'étais à Paris, l'Élysée, il était en accès libre, quoi. L'autre, c'est un malade, hein. Bon, enfin, bref. Alors, complètement parano, hein. Alors là, il y a une entourloupe, il y a un escalier en colimaçon. Réussite, de l'argent. Alors, l'étranger, éventuellement un autre pays, hein. Ça, c'est éventuellement la carte d'un pays. Oui. On va recouvrir, hein. Alors, pourquoi y a-t-il des véhicules blindés? Ça doit coûter cher en plus, tout ça. Bon. Bon, ça peut être les Parisiens. Ouais, il y a encore l'étranger. La joie, le crash. Tiens, c'est intéressant ça. Bon, alors, j'ai quand même des trucs en rapport avec les JO, oui. Puisque regardez, en plus, j'ai la médaille. Hein, la médaille, oui. Voilà, la médaille. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a bien les questions d'assurer la sécurité des JO ici. Voilà. Et d'éviter peut-être une entourloupe concernant les pauvres touristes qui vont venir assister à ces fameux JO. Oui. Là, on y voit, vous voyez, les gens qui se regroupent, les amusements, les fêtes. D'accord. Bon, alors, c'est aussi, effectivement, bah, en fait, c'est fait pour rassurer les touristes, hein, pour faire en sorte qu'ils viennent dépenser leur argent. J'ai quand même une carte du crash. Donc oui, je dirais bien que oui, effectivement, c'est fait pour rassurer les gens. Vous avez compris, hein, pour qu'ils puissent venir en terrasse prendre le café, qui va devenir très cher à mon avis, pour éviter vous voyez, un truc en colimaçon, une espèce de coup fourré en fait. Hein. Et que ces JO ne soient une catastrophe. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, oui. Bon. Alors, on va regarder le crash. Est-ce qu'il y en aura quand même un ou pas? Parce que les aspects sont pas bons. Ah bah écoutez, voilà. Hein. Toujours pareil, hein, je sors devant vous. Oui, il y a quand même une vraie menace. Hein. Ouais. Donc j'ai l'impression que, mon cher Caligula, si tu m'écoutes, hein, que malgré toutes ces mesures, il y a quand même un truc. Parce que ça, c'est une bombe, hein. Moi, je veux pas dire. Hein. Alors là, ensuite, il y a un repos, un calcul et un pacte avec le diable. C'est intéressant, ça. Il y a des gens, regardez pourquoi j'ai le calme, la retraite, la paix. Mais il y a des gens qui sont en train de calculer quelque chose. Alors, qui c'est qui se repose là? Ou est-ce que c'est les vacances, tout simplement, effectivement? Ah! Ben d'accord, ouais, effectivement. Il y a un truc qui va se passer, c'est pas possible, écoutez. Je n'ai pas sorti la carte du diable pour rien, puis en plus, il est là et là. Il y a des gens qui sont en train de calculer les trucs, là. Ils sont en train de mettre au point ceci, hein, c'est pas possible, là. Et je pense que c'est bien la période des vacances. Il est possible que ces JO commencent, voilà, de façon calme, et qu'ensuite, il y a un truc qui arrive, là, vous voyez. Oui, il y a vraiment quelque chose, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait un attent sur le tas? Bon, les lanceurs d'alerte, ben ça, c'est pas que les chaînes de voyance, mais je crois que on est tous en train de le dire, hein. Il va y avoir un truc. Alors, je n'ai pas le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient interrompre les JO? Pour quelle raison? Le vide, le manque, le devoir, le manque de devoir, un devoir qui n'a pas été fait. Alors, est-ce que c'est des gens qui sont à la rue, des choses qui n'ont pas été faites, pardon, des choses qui n'ont pas été faites en relation avec la pauvreté? Je ne sais pas trop pourquoi, là, j'essaie de trouver la raison, hein. Des abus de confiance.
Il y a une vengeance par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait. Une annonce. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai l'impression que si, alors, si il y a un attent sur le tas, il faut être, hein, bon, on peut me planter aussi, hein, faut pas exagérer non plus. On n'a pas toujours, enfin, on peut se planter, quoi. Je suis en train de réfléchir. Mais c'est curieux, c'est parce que lui, là, avec son petit attaché case, hein, vous reconnaissez, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il aurait promis et qu'il n'aurait pas fait. C'est une vengeance, j'ai l'impression, et c'est contre lui. C'est un peu bizarre. Oui. Attendez, je regarde. Les familles. J'aurais peut-être pas plus d'infos. J'ai juste l'impression que c'est une vengeance, moi. Est-ce qu'il soutient des gens? Est-ce que c'est parce qu'il soutient des gens d'un certain groupe? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par exemple le soutien à un certain pays? Est-ce que c'est ça? Je vais pas avoir l'info. Non. Je ne sais pas. Mais j'ai une question de vengeance. Il y a une vengeance. Voilà. Contre monsieur qui n'a pas tenu promesse par rapport à quelque chose auquel il s'était engagé de faire. Alors, bah encore le rosaire. Vous voyez, ça sort tout le temps. Hein. Là, on nous demande de prier pour les gens. Parce que j'ai peur qu'il y ait des dommages collatéraux dans ces rivalités. Espoir. Ouais. Du chaos. Bon, j'ai quand même le chaos qui sort. Hein. L'espoir de quoi? Prendre à bord. Il y a un homme. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Des disputes. Mais on ne doit rien dire. Attendez, il faut que je réfléchisse 2 secondes. Alors, j'étais en train de réfléchir. J'ai quand même quelqu'un ici qui veut libérer un chaos. Mais j'ai pas l'impression que ce soit qui vous savez, puisque sinon, il n'aurait pas mis autant de forces armées. C'est pas logique. Puis en plus, il n'a pas envie de perdre la face et d'être la risée du monde entier s'il se passe un truc pendant le JO. Ça correspond pas à la psychologie du personnage, voyez. Il est trop orgueilleux. Hein. C'est JO, c'est quand même lui qui est censé organiser tout ça avec sa fameuse équipe de bras cassés. Mais enfin, ou est-ce que au contraire, il voudrait rendre responsable quelqu'un du chaos? Mais j'avais dit que c'était une vengeance, moi. C'est compliqué. Qui est cet homme? Est-ce que c'est Caligula? Les écuries d'Augias. Y a 2 choses, hein. Moi, je pense qu'en fait, il y a vraiment 2 choses. D'abord, Caligula sait qu'il y a un risque d'attentat sur le tas. Il le sait. C'est pour ça qu'il y a tous ces militaires, nanana, etc. Bon, par les services secrets. Hein. Ce n'est pas les chaînes de voyance qui l'avertissent, c'est certainement les services secrets qui ont dû l'avertir. Faut que je me dépêche, ça fait déjà 30, 31 minutes, 34? 31 minutes, j'arrive même plus à lire. Bref. Mais, donc, lui, il est en train de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problèmes sur les JO. Mais j'ai quand même l'impression que il y aura un problème et que de toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui va porter le chapeau. Dans un sens ou dans un autre, de toute façon,
Lui, il pourrait dire, voilà, j'ai mis des militaires, tout a été organisé, nanana, et que y a quand même quelqu'un qui va arriver au gouvernement, là. Je vois quelqu'un d'autre, et qui va devoir finalement être responsable, être tenu pour responsable de toute la, comment dire, enfin bref, de tout le chaos, de tout le chaos qui va ressortir de ces JO. Mais lui, c'est comme si en fait, il allait dire, ben moi, j'ai fait mon job, j'ai fait intervenir une force armée, donc si ça dégénère, eh ben c'est parce que c'est la faute de celui-là. Il y a un peu de ça. Ouais. Mais je sais pas qui c'est. Ah, il y a le feu quand même. Bon, il va y avoir un truc. Voilà, bon, je vais pas faire trop long. Donc, dans un cas comme dans l'autre, quelque part, il sort les marrons du feu, j'ai envie de dire. Ouais. Et il y a bien un chaos ici à venir. Hein. D'accord? On va redemander, mais est-ce qu'il y aura un problème? Moi, je suis sûre que oui. Hein. La loi. Écoutez, vous savez quoi? C'est par rapport à. C'est par rapport à Israël, hein. C'est le temple saint. C'est à cause de ça. Hein. C'est parce qu'il a pris des décisions concernant Israël. Alors, il s'est engagé à faire quelque chose. Peut-être pour eux, peut-être contre eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui n'a pas été tenu, ou alors au contraire, qui a été trop bien tenu au niveau de la promesse. Et ça, c'est, il va y avoir une vengeance contre lui. Voilà, c'est ça que j'ai, moi. Et c'est en rapport avec ce pays-là. Bon, ben c'est sorti quand même. Hein. Voilà, donc il le sait. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces militaires, ces forces armées. Mais par contre, il y aura quand même un problème. Mais je crois qu'il va s'en décharger sur quelqu'un. Sur quelqu'un d'autre. Voilà, bon, je me dépêche de finir la vidéo. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.